Freezer, Cell, Boo. Ces ennemis incroyables ont été vaincus par le passé dans des combats spectaculaires et acharnés par des guerriers légendaires se relevant toujours, jamais battus, pour protéger la Terre quoi qu'il leur en coûte. Mais le passé est aujourd'hui sous la menace. Ces monstres, plus puissants que jamais, sont renforcés d'une énergie sombre et inconnue. Alors qu'un duo de mystérieux étrangers voyage dans le passé pour en modifier le présent et l'avenir, d'autres tels que la Kaioshin du temps ou Trunks, patrouilleur temporel de Tokitoki, ont réussi l'exploit de retrouver les Dragon Balls et font appel au pouvoir de ces 7 boules de cristal, faisant apparaître le dragon sacré, le grand Shenron, capable, selon la légende, de réaliser un unique souhait, quel qu'il soit, pour trouver un puissant allié capable, avec eux, de résoudre ces énigmatiques changements de l'histoire tels que nous la connaissons. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Dragon Ball Xenoverse. Donc, depuis la dernière fois, il ne s'est rien passé, je me suis juste déplacé jusqu'ici. Et nous allons donc parler à Trunks pour continuer l'aventure principale, le dieu des mondes émigra. Je ne pensais pas que quelqu'un d'autre changeait l'histoire. Je ressens un qui étrange à la crypte du temps. Allons voir ça. Bah oui, non. Reviens plus tard alors. Ah bah si c'est pas pressant, tu sais. Allons-y tout de suite. Ce Trunks. Comme dirait Vegeta. Ah c'est marrant, tu les ressens de loin. Ah bah c'est cool, attends, t'es utile. De loin. Pour ouvrir une fissure dans la fissure. D'accord, ok, oui, je vois. Il faut faire quelque chose. Enfin, pourquoi tu me regardes moi quand tu dis ça à chaque fois? Surtout que là, en plus, tu regardes un parchemin, on sait même pas de quoi ça cause. 774. What? Allez, maintenant, il s'y met directement, quoi. Ouh, le méchant Piccolo. Quoi? Et il leur a mis la branlée? Ah bah c'est cool au moins. Au moins Trunks, c'était marrant quand t'étais petit. Maintenant tu l'es plus. Ah oh, ça pue ça. Ouais. Ah oh, puis quand il a l'énergie blanche comme ça, c'est-à-dire qu'il est passé en... J'ai envie de dire presque en mode Kaioshin, en mode surpuissant pour lui. Et donc, il y arrive ou pas? Parce que moi, je vais prendre un... Il y arrive, c'est cool. Salut les gens. Donc, attendez. Plus de terre, donc plus de Trunks. Au revoir Trunks. ここまで。ボン。この時代に地球は一度消されてしまいます。でも悟空さんたちは瞬間移動で助かるはずなのに。ドミグラも早く時の狭間から抜け出。なんとかしないと。でもその。ドミグラが。ピッコロさんを操る。もう、déjà si on bloque ça, on pourrait déjà commencer à régler quelques problèmes qu'on aura. Il faut frapper très fort, ouais, forcément. Oh, tiens donc. Apparemment. Encore faut-il qu'il parle aux gens normalement. Mais enfin bon. Je m'en doutais qu'il allait me regarder. J'étais certain qu'ils allaient me regarder. C'était gros comme un camion. Bon, c'est pas grave. En tout cas, il est méga stylé. Hein. Bon, les gamins. Poussez-vous.
bat Piccolo, bat Demigra, donc il sera là aussi. On commence par Piccolo. C'est parti. Vraiment, il y en a un qui m'en veut, chers amis. Du coup, on le balance de quoi se réveiller. Bien joué. Je ne suis ni Dieu ni Piccolo. Je me suis planté dans mon combo. Ça devrait pas arriver, ça, chers amis. Et boum, Piccolo! Je ne suis ni Dieu ni Piccolo! Bien joué! Comment ça, je dois frapper très fort? C'est moi qui me bats! Bien joué! Et boum! Et boum! T'inquiète pas, je vais le frapper fort! Ça touche. Lui ai-je dégommé son bouclier? Oui. Le retour du bouclier. Faut que je lui dégomme son bouclier, chers amis. Ah bon, c'est pas grave. Hop! Piccolo, il est déjà KO, abruti! Yes! Faut mieux d'aller te soigner par contre, hein. Bouffe un Senzu, hein. C'est comme moi. Hop. Dans ton propre sang, techniquement. C'est tout? Un rang B en plus? Suivant! Avec Vegeta qui me gueulait dessus en plus en ce moment. En attendant que ça passe. Vraiment que j'arrête de bouffer. Poussez-le! Poussez-le par-dessus bord! Poussez-le! Tada! Bou est là! Ouais! Ça pue. Ah, il est classe. Ça fait bizarre de le voir en 3D, enfin dans une aussi belle 3D. Il a un bouclier ou pas? Il a un bouclier ou pas? Apparemment non. Parfait. Ils vont fusionner? Fusion! Est-ce que ça va être réussi ou pas? Elle est réussite. C'est bien. Il est méconnaissable presque. Il a un gros côté Vegeta, c'est très très bien foutu. Ce qui est cool, c'est quand on va la voir en maître, chers amis Gotenks. Que je sais qu'il est en maître, ça a fait rire beaucoup de monde. Hop là! Oh, il prend tellement cher! Et boum! Ça prendra à menacer des gamins! T'es sérieux? Et c'est moi qui me la bouffe en plus. Et bouffe. Oh, il avait une quantité de points de vie complètement épique, hein. Ah, il a fait son portail pour sortir de cette zone. D'accord, parfait. Bon bah victoire, chers amis. Un rang B avec un combo maximal de plus de 20, c'est incroyable. À se demander ce qu'il faut. La suite.
Le barrage de boue. Il est méga classe. Et bouf! Et il rebouffe! Et il rebouffe! Bah alors, lève-toi! Où il est? Oh, c'est méga classe! Ah! Et bouf, chers amis! Et il rebouffe! Bah oui, je suis bête, les gars! Et oh! Ah! Bah là, sur ulti! Ah ça y est, ah oh, il arrive dans la pose, c'est bien foutu. Mais la texture brillante de ses fringues est perturbante. Charge, 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 mon dieu, charge. Oh nom de dieu, il est là. Et il bouffe. On va faire croire qu'il a réussi à parer ça. Bien joué. Finalu. Yurusanai. Ça y est, il repasse en mode violet. Eh, est-ce que je suis en... Oh, je suis en Saiyan dans la vidéo, c'est méga cool. Quoi? C'est pas comme ça que ça se passe. C'est violent quand même. Hein. Ah, ben là, il a son bouclier de la mort qui tue. Eh, je peux... Normalement j'aurais dû pouvoir utiliser l'explosion spirituelle. Pourquoi je suis tout bleu? Radiation ulti. Oh il est enchaîné. Combo 45 et bouf. Je suis lent, d'accord, pourquoi pas. Boubou! Oh, j'aurais aimé l'enchaîner! J'ai pas réussi. Bon, c'est pas grave. Victoire, chers amis. Parfait, tout ça. Un petit rang. Ah, bon. Suivant. On est dans l'épisode. Juste pour savoir. 12 minutes, il y a le temps. Quoi encore? Ah c'est cette fois il passe en violet. Il retente de détruire la Terre. Du coup on n'a rien changé alors. À part qu'il est peut-être plus puissant. Je me rappelais pas que c'était comme ça en fait dans le manga. Ça j'avais oublié. Ah, il est cool comme ça. À moi le futur, grand combat. Bon bon bon. Babou enfant, enfant. Ouais. Traduction française à la mort moelle-neu. Ah ils sont méga cool. Ah il m'en veut, bizarrement. Il s'est bouché quelque chose là ou c'est... C'est parfait. Hop.
Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé? Goku, tu m'ennuies là. Je suis poli. Bon, j'arrive pas à en placer une avec ces deux super gars à côté de moi. Hop, celui-là par contre il va la sentir passer. Hop, fin de ce coup. On m'entend une deuxième. Allez, c'est parti, deuxième service. Et pourquoi pas continuer? Bon, raté. Apparemment ça a pas voulu le tuer, donc il est en plein dialogue. Ah ah ah, je vais lui faire gagner du temps. Cool. Je vais faire le boulot de mon maître. Je vais faire le boulot de Vegeta, chers amis. Vegeta qui essaye de motiver la population humaine, matérielle. Et là, il va utiliser la plus grande technique du monde. Je sais pas pourquoi personne me fait confiance. J'ai passé une heure à les insulter, mais c'est pas grave. J'ai tenté de détruire leur peuple. Allez, pour le RP, on passe pas en mode Saiyan, chers amis, on s'est fait dégommer. Vegeta ne passera pas en mode Saiyan, dans l'histoire personne ne passe en mode Saiyan à ce moment-là. Par contre, on peut balancer une ultime. Hop les. Ah oui, il a vraiment rien au-dessus de la tête. Hein. Vidéo? Pas de vidéo? Mais c'est là. C'est la fin du manga. S'il ne nous pas. Ah putain, ça y est. J'ai mal. Et là, il y a une phrase hyper philosophique de Goku. Oh, c'est pas comme ça. Oh, c'est dommage. C'est dommage, la fin est vraiment épique parce que c'est vraiment une fin en trade normalement. C'est-à-dire que le dernier vœu des Dragon Ball, c'est qu'on lui redonne sa force. Et comme on lui redonne sa force, eh ben, il trouve la force nécessaire à lui parler 10 secondes avant. Et lui dit, puisses-tu être réincarné? J'ai adoré ce combat, la prochaine fois j'espère que pourrai arriver en un contre un, entre guillemets, un truc comme ça. Et je trouve ça tellement épique. Ouais, il y a personne dans les rues. Ouais, il y a 10 pèlerins. Non, papa, t'es là. Ah, ça y est, on la voit. Et là, normalement, remarque très intelligente de Satan. Ah non, même pas. Et je suis déjà parti. C'est cool quand même. Eh ben, ça fait plaisir de voir ça, chers amis, malgré tout, vous voyez. Ouais. Bah quoi, je suis balèze, c'est tout. Hein. J'avoue que ça c'est balèze de base, j'attends encore qu'il me contrôle moi en fait. Hein. Domigura,
私と戦った悪の魔術師よ。J'avais oublié pour les Kaioshin. Yatsu a mizukara majin o nanori, tokitoki to toki no su o waga mono ni shite. Ah, je t'arrête là dans ta phrase, d'accord, il me semble qu'il manque un bout. Jibun no nozomi dori no sekai o tsukuro to shita no. Ouais, en rose quoi. Jikan o omoi no mama ni ayatsuru, toyu koto desu ka. Ça veut rien dire, on peut juste le remarquer. C'est pas parce que je veux, je sais pas, contrôler les radiations gamma que je peux me transformer en Hulk, hein. C'est pas parce que je veux être pompier que je peux éteindre le feu d'un claquement de doigts. Hein. Ouais, bah quand t'as du temps, depuis 75 millions d'années, t'es balèze. Hein. Regarde, plutôt que si Goku le t'entraînait dans la navette le temps d'aller jusqu'à Namek, là, il s'est entraîné je sais plus combien de temps. Si c'était entraîné pendant 75 millions d'années, il aurait atteint le Super Saiyan 3600. Et il serait devenu. C'est pas qu'il aurait des éclairs autour de lui, c'est qu'il serait devenu un éclair. C'est vrai? Oh, des dramatisations! Le terme exact, c'est que tout le monde trouve que tu fais trop jeune. そうですか。あの時の海王神様、俺たちはこれからどうすればいいでしょうか。奴は危険すぎるわ。絶対に外に出すわけにはいかない。歴史の改変を食い止め、時の狭間から出さないようにするのよ。 Ça me semble logique. Wakarimashita. Kako mo mirai mo majin no suki ni saseru wake ni wa ikimasen kara ne. Prends pas de décision tout seul, Trunks. Oh putain, il l'a fait. Oh, le malade. Très joli endroit. Mo sukoshi. Mo sukoshi da. Oh, la vieille musique toute moche. Point 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 point. Ça fait presque un petit peu musique de Kirby. Bon, on va aller voir vite fait, chers amis, dans les différents marchés, donc les différents marchands, simplement, si l'un d'entre eux pouvait nous donner donc quelque chose, enfin, nous vendre quelque chose. Capsule d'énergie grande. Quelque chose donc d'intéressant. Lisbeth, Imai, Taimo, Rendel, Brenna, Donovan, Steven, Greg, Maurice, Tom, Brownwin, Axa, bah c'est Axa ça, voilà. Aidan. Et les vendeurs, chers amis. Donc on doit être à peu près à 20 minutes, 21 minutes d'épisode, je dirais. 22 minutes d'épisode, bon bah. Tant pis pour ma gueule, hein. On va aller donc voir, donc là c'est des mélanges, les boutiques de technique, chers amis. Super absorption, attrape un ennemi, mais je l'ai déjà ça. Enchaînement de ton rapprochement instantanément de ton ennemi envoie un enchaînement puissant. Ça peut être cool. Cependant je vais préserver mes ennemis le temps de quelques instants, histoire de voir s'il n'y a pas des vêtements sympathiques. On a Sangoten là-bas, donc il va être pour le prochain épisode, chers amis. Alors, Tenshin and Piccolo, Raditz, une couleur, Thales, C19. Elle n'était pas présente avant. Chichi, petite. Slug. Trunks, général rouge, tenue de Kaio, lieutenant bleu, Pilaf, tenue ultime, tenue de lycéen, tenue de pilote, tenue de lycéen femelle. Bah écoutez, on va prendre la fameuse tenue de lycéen, je pense. Hop, et la tenue de pilote. Tenue de lycéen. On prend la version mâle, hein, c'est la version homme, simplement. Apparemment les hommes n'ont pas de gants pour la tenue de lycéen. Ce qui est normal. Par contre ils doivent avoir des chaussures je pense.
parfait. Et donc, dans la boutique d'accessoires, chers amis, nous avons... turban, perruque de lunch... lune de soleil, cailloux, elles peuvent être cool. Moustache de tortue génale. Il n'y a rien, ça c'est marrant. C'est la barbe. Exactement. Carapace, ah c'est cool. Bâton de tortue géniale, c'est aussi très très cool. Bon, il y a plein d'objets. Je vais peut-être prendre juste les lunettes de soleil de Caillou. Et nous allons voir ça, chers amis, tout de suite. Avant de se quitter. Équipement. Alors, tenue de combat argentée, tenue de pilote. Oh, elle est assez classe. Alors ça, on peut laisser tomber tout de suite. C'est horrible. Tenue de pilote. C'est horrible aussi. C'est déjà mieux. Les gants de pilote sont pas trop trop mal. Ah, les shoes de l'étudiant sont pas mal. Par contre, on va prendre les bottes de pilote. Ici, normalement, nous n'avons que les lunettes de soleil de Caillou qui sont toutes petites et qui iraient très bien avec un style que j'imagine déjà. Tiens, c'est marrant. Mais j'avais acheté le katana dans le précédent épisode. Je ne l'ai plus. Bon, eh bien, c'est pas grave, on va mettre... on va mettre le nouveau détecteur bleu, puis c'est pas grave. Si, on n'a pas vérifié les différentes couleurs, chers amis. Tout simplement. Alors, ici, oui. Ici. Mettre ceci. Alors, ici, qu'est-ce que c'est? D'accord. Faut que j'aille voir ici donc. C'était bien la bonne. Et ici c'est le boucle, la boucle de ceinture, c'est ça? Parfait, parfait. Donc la boucle de ceinture, on va la mettre en... jaune aussi. Couleur des mains. Ça semble pas trop mal. Hop. Et ben voilà, chers amis. Nous avons une très très belle tenue, je trouve. Enfin, très très belle. Tout est relatif. Hein. Je suis extrêmement laid, mais un peu moins que d'habitude. Bon, on se laisse là-dessus, les amis, on va enchaîner avec Goten derrière. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner, vous présenter dans les commentaires pour participer à une session de tournage. Quant à moi, les amis, je vous dis à plus pour d'autres épisodes. Salut les gens!